Alors, je viens d'ici, j'ai fait tout ça. Je peux aller au mec qui sauvegarde, sauf que là-bas aussi, il y avait besoin du badge 0. Donc j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a de ce côté-là, du coup. Alors là, c'est de là d'où je viens. Donc d'abord, on avait dit le mec de la sauvegarde. J'ai utilisé tellement de consommables. Oh là là, c'était affreux. Badge 0 utilisé. Je récupère ça. Je sauvegarde. Ensuite, je repars vers le début. Que je me dis, il y a forcément des choses. Très bizarre, l'inverse. Oh, ça s'ouvre tout seul, parfait. Il n'y a rien. Il y a un chemin. Allez, des petits loots là, non? Même pas. This must be that suspicious area Arashi mentioned. C'est la même chose. Voilà, du coup, je reviens vers là où j'ai sauvegardé. C'est très grand, hein. Même les portes, elles font deux fois notre taille. Je vois pas l'intérêt d'avoir des portes aussi grandes, mais pourquoi pas? Là, c'était là où il y avait la sauvegarde. Un peu plus loin. Là, c'était à gauche, du coup. Du coup, normalement, faut aller tout droit. Mais il y a un loot à gauche. Donc d'abord, on va aller à gauche, puis on va aller là-bas. Ça ne s'ouvre pas, hein. Bonus de PV4, bah dis donc. Ça m'intéresse ces trucs 4. Non, PV. PV. Allez, on y est presque. Bon, par contre, là, il n'y a plus de musique ou quoi, donc je sens que ça va être le moment d'avoir des révélations. Have a brain talk connection with Naomi. That must mean she's nearby. I've confirmed a reading for Naomi. Wait, you shouldn't. I'll be right there, Naomi. Défoncer la porte. You're in here. Back away from the door. I'm breaking it down. You don't have to do that. I can unlock it. No, don't open it. Ah, mais elle sera toujours transformée, hein. Naomi, are you okay? Kasane, I... No. Naomi. So... It's true. What have they done to you, Naomi? What the hell is that?
Why is Naomi another? On te l'a déjà dit. I'm sorry, Naomi. It's because you protected me. It's okay, Kasane. I'm glad you're okay. But it really is okay. I'm glad you're well. Yes. Thanks to you. What are you doing here? Hey, Naomi. We wanted to come and check to see that you were okay. It's not just that. I want to save you. Thank you, but I'm fine like this. There's no way I'd be able to have a life out there. I'm an other now. I'm sorry. I'm so sorry. C'est pas ta faute si tu t'es fait tirer dessus, hein. I think that's enough. You can't just keep apologizing to Naomi. She's right. And hey, right now you're both alive and breathing. Isn't that something to be happy about? Major Kiyoka, I'm sorry. I'm sorry it had to happen like this. Là, elle commence à bugger. No, it's all right. How are you doing? The people here haven't hurt you, have they? I'm fine. The people here are very kind, even to an other like me. Naomi. But when I don't take the ampules, it really hurts, and I can't communicate. Sorry. Please, you have to go. Please forget about me. No! I was finally able to find you! The ampule. Kasane, she's right. It's what your sister wants you to do. Naomi! Je vais te penser un truc que j'ai pas fait. Aïe aïe aïe. Horrible que je suis. Naomi, why? Oula, deux trucs que j'ai oublié de faire. Ah. So you came. Major General Karin? Yeah, well, this isn't very surprising. Seems like you had us dancing to your tune all along. Naomi is able to maintain her personality with the medication in the ampules, but the effects are only temporary. The only way to save her is to revert her to her human state. And to do that, we need your power. Are you telling the truth? If you're trying to use my sister as an other weapon... That is simply what they tell Ceyron. This facility's true purpose is to revert humans that have been metamorphosed into others back to their original state. Then tell me what I need to do! You'll need to be at full strength. I'll need some time to prepare as well. Continue exterminating others until we're ready. Bide your time. I promise you Naomi will be safe. I don't like it, but I'll go with it for now. Then go back to Ceyron and hold tight on standby. Don't do anything so rash again. Donc. Since we're ordered to stay in Ceyron, why don't we go shopping in town? Right, we should stock up and get medical supplies. Hey, you're coming too, Kasane. Huh? Oh, right. Fine. Mais il manque un morceau là de l'histoire, non? Qu'on l'aura plus tard. Alors il y a un truc que j'ai oublié, c'est déjà elle, je lui ai pas mis de Baki, et lui, je lui ai pas mis de Baki. Mais où avais-je la tête? Noir, hein, forcément. Bon bah du coup là en soi je peux partir hein, parce que j'ai plus grand chose à faire dans le coin. Oh, un truc qui a pop là, je l'avais pas vu. On va aller chercher. Du coup, ça c'est tout des salles avec des anciens, oui bien sûr, des autres capturés. Donc ça.
Mais ouais, normalement, alors... Normalement... On se l'a de côté, c'est là. Avec Yuito, normalement, quand Yuito arrive dans cette salle-là, il rencontre Kazane, et ensuite, il y a Fight. Du coup, est-ce qu'on revient plus tard, ou est-ce que juste bah, on l'a pas, parce que normalement, Yuito gagne. Enfin, du moins, dans l'histoire de Yuito, forcément, je gagne. Et là, ça serait bizarre si je gagnais. Je sais pas. Bref. Allons à Seiran, du coup. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone où était Naomi? Je crois que tu l'avais remarqué, mais il y en avait plein d'autres. Je crois que c'était tous des autres d'origine humaine. Il y avait des portes partout, tu veux dire qu'il y en avait dans chaque pièce? Probablement, les portes étaient toutes renforcées. Vous pouvez sentir une présence derrière chacune d'entre elles. Je pense que certains vivent dans cet endroit depuis très longtemps. Leur donner un environnement qui leur rappelle leur vie humaine pourrait s'avérer encore plus douloureux pour eux. Je ne sais même plus ce qui est juste. C'est vrai que c'est un sujet compliqué. Est-ce que j'ai des points? J'ai deux points. Avec deux points, on peut pas faire grand-chose. Boutique. Y a rien de nouveau. Bah, sauvegarde. C'est notre première fois à Seiran. On va un peu regarder la taille de la zone et récupérer tous les petits loots. J'en ai déjà vu deux, je crois. Enfin, du moins, il y en a un là en face. Alors, il y a des... Oui, il y a trois quêtes secondaires aussi sur la route. Du coup, d'abord, je vais aller voir là-bas. We should treat ourselves to a day on the town to raise spirits. Yeah. We can't force it on Kasane, though. You're right. Seeing Naomi like that, even I was shaken. Eh, si vous en avez, pourriez-vous me donner de la gelée de guérison? Mais ça, je peux faire, ça. Quête commencée. C'est vrai que, ouais, du coup... Non, dégage. Quête, du coup, bah, je peux la finir immédiatement. Bien joué à moi. J'ai rien fait, l'ami orageux. En fait, le truc, c'est que je croise pas ces ennemis-là. La flaque bileux, bah non, je tombe sur des flaques huileux. Pas de floral, bah j'en vois rarement. Et les seules fois où j'en ai vu, j'essaie de faire... Enfin, pour moi, normalement, on devrait être à 1 sur 2, mais bon, le jeu n'est pas d'accord. Ça, bah je tombe pas sur des pendus en pileur. Et là, je tombe pas sur des lamis orageux. Je tombe sur des lamis qui font du feu. Au bout d'un moment, on s'emmerde. On est d'accord que... Ouais. Alors, ici, il y a aussi une quête. Câlin de lapin. Très bien. Limite, faut voir si je peux pas aller dans une zone et faire plusieurs trucs d'un coup. Mais bon, ça me fait chier de faire de la quête secondaire. Pendant que Lipa a un des pendus patrouilleurs. Pendant le SAC avec Arashi, c'est faisable. Bah. Allô? Elle est complètement conne, Kyoka. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la débile. Waouh. Et ça, c'était la chef de peloton? Ouais, elle s'est TP à moi maintenant, mais... Pourquoi c'est quoi, ça? C'est rien, c'est un bout pointu. Un bout de map pointu. Faut que j'aille tout là-bas. Alors déjà, il y a cette petite ruelle, voilà, forcément, il y a quelque chose dedans. De la thune, de la grosse thunasse. Beaucoup de gens hein, par ici. Hop, je triche, je vais par là. Pourquoi je vais par là? Tout simplement parce que...
Il y a une quête là-bas. J'ai vu un loot aussi. There's a resource reading near here. You should check it out. Oh, il y a même un truc là, attendez. Hop. Est-ce que c'est joli? Franchement, ça va, c'est stylé hein, avec le cel shading. C'est sympa. Alors, c'est quoi cette quête? Je vous jure, il y a des objectifs, on pourra les faire hein, un jour. En disant une vision de combo de Kyoka, battait deux ennemis de type Ruth infecté. Alors ça, je les connais, ça. C'est ceux que je déteste là, avec leur carapace, les genres de ronds là, bizarres. Je vous ai quand même schématisé le rond avec mon doigt, au cas où si vous ne saviez pas ce qu'était un rond. Alors, c'est quoi qu'il faut faire là? Standby, huh? So, what do you want to do? We could go back to OSF headquarters. Before you do, could I have a moment of your time? Excuse me, but who are you? Please excuse my manners. I work for the Ceyron government. I have come to ask you all a favor. This is a request from a group of us who do not quite see eye to eye with Travers. Ah. What are you talking about? I thought Major General Karin and the Ceyron government are in this together. We have determined that Yuito Sumeragi is connected to the Kunad Gates formation. Our experts say that the gate will bring a great disaster to the world if left alone. We propose the assassination of Yuito Sumeragi to Travers, but he has skirted the issue. After some reconsideration, we decided that we should delegate this task to the hero who assassinated Chairman Sumeragi instead. Mm-hmm. You want Kasane to assassinate Yuito? I'll do it. What? Are you serious? Do you know what you're even saying? Thank you for your cooperation. We have intel that Yuito Sumeragi is currently in Kikuchiba on assignment. I will leave the rest to you. Good day. I wasn't able to find out the identity of that man, but I was at least able to determine that he works for Ceyron's Prime Minister. So the fact that this is a request from the government checks out. Are you really going to assassinate Yuito? Look, I know what this sounds like coming from me, but don't you think that's a bit much? I'm not saying what future Yuito told you isn't true. Kakarō does have a point. As of now, we only have circumstantial evidence. Nothing is really concrete. This also goes against Major General Karin's wishes. Are you still gonna go through with it? Yes. I'm going to kill Yuito. That's most likely the only solution we have. Only solution, my ass? Oh. I'll make my way to Kikuchiba. What the hell? You can't just leave! Ah si, la preuve. Ok. Bien, on va aller à Kikuchiba. Please wait, Kasane. You should reconsider. That's right. You're making a rash decision. Oh dear, she isn't listening at all. Damn, she's so selfish. Eh oh, ouais, genre c'est moi qui suis égoïste. L'hôpital qui se fout de la charité là. Hop, Kikuchiba, Kikuchiba, Kikuchiba. Et là, Kikuchiba, en plus, il me semble... Ah oui, oui, je sais où c'est. Ok, c'est le combat où Kodama intervient à la fin. D'ailleurs, ouais, là, c'est une grosse question. I know where Yuito is, but... Kasane, do you really want to do this? It doesn't matter what I want. This is all I've got. Give me the directions. Understood. C'est... En gros, quand on bat... Enfin, quand on fait le combat et qu'on gagne avec Yuito, je sais ce qui se passe, mais du coup, j'arrive pas à voir comment ça va se tourner avec si Kasane gagne. Enfin, l'équipe de Kasane. Les amis de cuisine, mais voilà, encore une fois, des putains qui font. Connards qui font du feu là. Pendu marabout, mais c'est pareil, un marabout là, nique ta mère, je m'en bats les couilles des marabouts. Hey.
m'a sauvé la vie. Oh, c'est pas les marabouts qui m'intéressent. Ça me rend fou, hein, y a jamais les bons ennemis. Voilà, pareil, l'ami de cuisine. Pourquoi pas des lami orageux ou des pâtes florales, là. L'étude, c'est l'endroit des pâtes florales. C'est quoi le nom? Ça qui m'intéresse surtout. Des pâtes basiques. Ouais, bah non, ça. Ouais. Très peu d'intérêt. Ah oui, oh oui! Voilà! Du coup, plein d'XP, 700! Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouch. Ah, dommage. Pas grave. J'ai fait de lui. Bâtard. Allez. Ok. Tac. Mort. Niveau 30. Forcément, ça va faire plaisir niveau XP. Faut que j'attende le pouvoir de Rachid, c'est bon. Hop. Juste un coup suffit pour le faire tomber. Ah mais c'est beaucoup plus galère du coup que... avec le pouvoir de Luca, hein. Ça c'est sûr. Parce que le problème c'est que le pouvoir de Luca dure plus longtemps et celui d'Arashi, bah forcément du coup est plus court. Et c'est chiant. Un pendu marabout, bah non c'est le même que tout à l'heure, hein. Faut changer, hein. Oh oui. 511, ok. Je vais normal, je suis full, ok. Allez, c'est dans pas longtemps. La preuve, il y a un point de sauvegarde. C'est là-bas. Sauvegarde. Ça va pas être un combat évident. Ça dépend qui. Alors, s'il y a Anabi, c'est pas le focus premier à avoir. S'il y a Tsugumi, je vois pas l'intérêt qu'elle peut avoir. Si, bah, elle peut avoir un intérêt si j'utilise l'invisibilité, mais si je l'utilise pas, pas de problème. Gemma. Par contre, Gemma, il faut le buter en premier si je peux. En gros. S'il y a Gemma et Anabi, c'est Gemma qu'il faut focus. S'il y a Gemma
Et Tsugumi, il faut d'abord buter Tsugumi et ensuite Gemma. Parce que Gemma, je pense qu'il activera sa scléro si je m'approche, donc il faut, vaut mieux être invisible. Rapide. Mais ouais, en gros, Gemma et Tsugumi, c'est les deux focus qui peuvent être chiants. Well, we came here just like the guy wanted us to. Are you sure about this? Are you really going to kill Yuito? On verra. Either way, we couldn't just let you go by yourself. Everyone here has your back. Listen, Kasane. We'll help you fight, but it ends there. After that, each of us will act independently. Got it? There you are. Yes, il y a peut-être Lucas aussi. Ah, Lucas, ça peut être un gros problème par contre. Kasane, just hold on. We can talk this over. No point. You'll be dead. Yaki. Ok, oh putain, il y a Lucas. Why are you trying to kill me? At least tell me the reason. Can you handle it? I told you I don't want to talk. Sorry. Stop. Sorry. You won't be killed. Oula. Ouais. Alors, Lucas en premier, clairement. Prends ça, Lucas. C'est le problème, lui. Il est pas content. Il est stun. Ce qu'il veut. Oh, voilà, c'est bon. Mais genre, t'es pas mort, voilà. Yuito, non, elle, oui. Oh, le stun qui va partir. Bonjour. Je pense que je lui mets. Voilà, non. Aïe. Oh, ce que j'ai mis. Oh oui. Bah elle est morte du coup. Il reste plus que lui. Je vais voir stun. Hop, trois pouvoirs. Est-ce que je lui mets Peggy 18, hein. Oh, c'est chacun à lancer un truc. Hop. Je suis content, ça se passe bien. Oh non. Très bien, champ cérébral. Eh bien, tout ce que je vais faire, c'est me mettre invisible. Bah non, et... Bon, Ashley est morte. Allez. C'est bon. Putain, j'ai failli mourir juste parce que j'ai voulu ressusciter.
Ok. Yuito. Allez, allez, allez. C'est bon qui gagne. Let's regroup now. I'm borrowing this. Sorry. What's you? I'm counting on you. Shut up and die. Shut up and die. Kasane, why? J'avoue que du point de vue de Yuito, on sait toujours pas pourquoi Kasane lui en veut. C'est terrible. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème du fait que j'étais en SAC avec Arashi? Je pense que si. Je veux clairement pas passer, mais... J'ai cassé le jeu. Non, mais parce qu'en plus, là, c'est un moment important. Je veux savoir ce qui se passe normalement. Ah, voilà ça. J'ai eu peur. Heureusement, il n'y avait pas Gemma. Ni Anabi, finalement. Les deux meilleurs de l'équipe. Dis-moi, pourquoi as-tu tué mon père et rejoint Seiron? Est-ce parce que mon père était involved in metamorphosis research? Parce que New Himuka turned Naomi into an other? So you found out about it too. Yes, that's exactly right. Master Yuito, Kodama is here! Huh? Kodama. Great, just what we needed. We should fall back to our hideout. Wait, Kasane! Y'a aucune raison. J'aurais survenu ici, ils ont bolos Yuito, mais le but c'était de le buter. Et là, ils avaient le dessus et tout. Non, finalement, ils sont partis. C'est complètement messed up. How can you just decide to kill Yuito like that? Ça n'a aucun sens. That day we came back from the future, you said that it wasn't going to be an easy decision yourself. Our future depends on it. Look, if that's your argument, do you actually have proof that it's all true? I'm sorry, but I just don't believe that killing Yuito is the answer to solving everything. Besides, it seems pretty extreme to kill both the father and the son. Puis il restera un autre. What exactly is your reasoning behind all this? If you can justify killing Yuito, then I'm all ears. Je l'aime pas. There's no point trying to explain. That's for us to decide. What? I've been wanting to tell you this for a while now, Kasane, but you are way too selfish. You make quick decisions and determine what needs to be done. Even when you lose your cool, you're able to compose yourself. Mm-hmm. I really respect those qualities. Yeah, I said it, I respect you. That's why I was able to accept you as my leader. But no, not this time. Why should you kill Yuito? Don't expect any help from me until you can give me a good, valid reason. That... but... Whoa there, Shiden. I think that's enough. Ah, the youth are so passionate. I like it. It looks like your passion got to her. Continuing to harp on her like that isn't going to get us answers. Listen, Kasane, we have no idea what kind of things you're bottling up inside. We don't know the weight of it, or whether it's painful or not. The only thing we know right now is simply what happened to Naomi. Saying that an explanation would be pointless means you have something you should say. Lucky for you, there are four open-minded people here ready to listen. I'm pretty sure there are different perspectives you can consider as well. Tell us. We deserve to hear it. Yes, we're all on the same team here. I'm sorry. So you're really not gonna tell us? No! I just wasn't sure how to explain it, so I'm sorry I said it'd be pointless to tell you. Well, if that was the case, then you should have said something. I'm sorry. Oh, this apology is for making you jump to conclusions, so... Yeah, I think I got that. Hey, Shiden, come on. Let's try to relax a little, okay? It's great you're invested, and that's cool and all, but it's also lame at the same time. Shut up! Anyway, if you're gonna tell us, then tell us already. Okay. The first reason is what I felt at Kunod Gate.
I felt something like the power of the red strings coming from it. The time portal that should be disappearing lingers because of Yuito's power. That's what made me believe what future Yuito said. The second reason is because of what Karin said. He knows that we went to the future. He does? Arashi, you were eavesdropping, so you can confirm. Yeah. From what was said in the future, I knew there was a good chance that Karin was involved in some way or another. He's at least aware that a time-traveling power exists and has accepted it. The third reason is that the Seiron official said Yuito was involved. I see. So for you, all your suspicions leading up to now were confirmed? Yes. I mean, they're all just circumstantial, but it's all I have. I'm sorry. You're apologizing for the wrong thing again. What we wanted was a fair explanation, and you provided one. You don't need to apologize for that. And it's thanks to your explanation, we came to understand exactly why you made your decision. Yeah, I can see where you're coming from now. But I still have a question. Why didn't you discuss all this with us? I told you. I didn't have any definite proof, and I didn't think you'd believe me. But I did. And everyone else here, too. Some of it I'm still not convinced about, but I don't think all of it's a lie. It's proof that your way of thinking is wrong. That's why we should talk from now on. We have each other's backs here. That's what makes us a team. I'm sorry. There you go again. Huh? There's a different phrase you should be saying right now. That's right. If you want to build trustful relationships, an apology isn't what's needed right now. Oh. Thank you. Et c'est la fin du chapitre 6. Et début de l'interlude 6 qu'on va remettre plus tard. I guess I should talk to Kagero. Kasane, good. Do you mind if I butt in? Haruka, you were listening? Yeah, I agree with everyone. So I want you to know you can always talk to me. Très bien. On va juste sauvegarder et on va laisser ça pour le prochain stream. Non, je vais faire un truc. Alors, attendez. J'ai sauvegardé, mais je vais re-sauvegarder parce que sinon je vais oublier. Mettre des points. Ah, 6 ou ça. Non, bah j'attendrai pour voir ça. Non, bah du coup, je vais pas re-sauvegarder. I've never wanted friends before, but there's a limit to what I can do or think of by myself. I'll try to rely on other people a little more. Très bien. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Fermez-la. Je vais faire ça parce que de toute façon on les aura ces dialogues quand je rechargerai la partie. Donc du coup j'espère que ça vous a plu. En tout cas on a vu un peu plus l'autre côté du miroir, on va dire l'autre vision. On a revu Naomi aussi, triste histoire ce qui lui arrive. Et on a défoncé Yuito, ça c'était rigolo. On verra comment ça va se passer la prochaine fois et ce qui va se passer très exactement. Parce que là, c'est vraiment le gros moment où il se passe plein de choses d'un côté et de l'autre. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc là, par exemple, je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer pour Kasane. Et du coup, ça sera l'occasion de voir ça. En tout cas, des bisous. Et on se dit à plus pour la suite. Tchou tchou.